Putain, les keufs, ils m'ont fait mal. Non, mais trop proche. C'est un bain de l'oiseau, les gars, c'est rapide. C'est un bain de coq. Vous lavez toujours comme des poules. Les gars, les couilles, on n'oublie pas de laver les couilles. Il y a un petit qui a failli me péter les côtes d'ivoire. En fait, avant, pas faire. Je sais pas comment il y a ça que vous serez trouvé. Ah, oh, Dieu. Où sont les serviettes? Mais ils ont emporté les connards. Mais les gars, les sauts, vous laissez ici. Les sauts. Nandi. Hé hey. Nandi. Oh. Chino, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais je te croyais parti. Qui? Mais pourquoi tu t'es caché là-bas derrière? Qui se cache? Mais toi? Écoute, Nandi, moi je suis resté pour avoir une explication après. Mais moi j'ai l'impression qu'on s'embrouille et toi. Attends, ça ne te va pas un peu là, Junior? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je ne suis pas aveugle. Osambo t'a remis de l'argent tout à l'heure. Mais c'est exact. J'ai eu mon bac après tout. Et Osambo l'a mis de Braddock. Ah! Et tu te permets de parler comme ça après tout ce que me font les gars là? Mais oui, puisque tu commences à me gazer avec tes histoires d'Osambo, Osambo, j'en ai plein la tête, Junior. Écoute, viens, viens, s'il te plaît. Essaie de comprendre. Moi, je veux pas te perdre. Non, si je comprends, c'est la jalousie que tu es en train de jouer. Même toi-même. Hein? Oui, tu n'as même pas honte. T'es vieux garçon comme toi. Il y avait un globe. C'est le gars qui boit à Rio là. Abana, abana, regarde-moi ça. Hé, encore toi. Hé. Qui mes maquis sont bien partis? Ils sont rentrés. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit, monsieur Kumba? Je t'emmène à l'hôtel. Aller à l'hôtel? Oui. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, hein, es-tu capable de payer mon loyer et t'occuper correctement de ma famille? C'est rien du tout, tout ça. Si tu veux, je peux même te faire un chèque à l'instant. Et d'ailleurs, c'est combien ton loyer? 200 000. Oh, oh, 200 000. Oh, qu'est-ce que c'est 200 000? C'est toujours ce qu'on dit. Tu sais, je sors d'une déception. Je ne voudrais plus tomber dans le même piège. Tu m'as bien regardé? Écoute, j'ai un certain âge, moi. T'as vu mes cheveux blancs? Aujourd'hui, les vieux sont devenus plus bandits que les jeunes. Je t'en prie. Je ne suis pas comme les autres. À quel hôtel m'amènes-tu? Voyons, tiens, Orapo Jumbo. Tu sais, je n'y ai jamais amené d'autres filles. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que tu es la plus belle de toutes celles que j'ai rencontrées jusqu'aujourd'hui. Es-tu marié? Oui, je suis marié, père de famille. Mais je gère ma vie comme je l'entends. Après ça, que comptes-tu faire de moi? Je veux faire de toi ma deuxième épouse. Les hommes, vous êtes tous la reine. Ok, on y va. Tous que dans un bien détendu, le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est que c'est clair. Monsieur, soyez salué, merci beaucoup. C'est plus sérieux, hein, monsieur, soyez salué, mais putain, vous me prenez pour qui à la fin. Mais putain, mais ce homme là, putain, ni me prenez pour qui. Venez ici, s'il vous plaît. Vous savez pas qu'il est formellement interdit de déposer les ordures par ici. Vous savez que cette poubelle est prête à être déblayée. Prenez ça, vous balancez ça à l'autre côté, s'il vous plaît. Je sais que vous vous appelez monsieur Chico. Moi, c'est Pythagore, le petit frère de Thalès, le cousin de Descartes. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis aussi que dans un triangle de temps, le cosinus est égal au côté opposé du côté adjacent. Soulevez ça, vous balancez là-bas, mais putain, mais c'est pas pour qui ce gars-là. Mais mon Dieu, Seigneur Jésus, dans un triangle de temps. Hein, monsieur Chico, s'il vous plaît. Pythagore, moi, le petit frère de Thalès, le cousin de Descartes, a toujours besoin de 100 francs pour le donner à l'âne de Pythagore, de maths. Tu es fou. Je suis fou, mais c'est toi qui es fou, mais putain, si c'était Chalice, elle devait me le donner. Sorcier, c'est pour ça que je vous dis que dans un triangle rectangle, le cosinus est égal au côté opposé. Il est où mon stylo, mon Dieu?
député, il se prend pour qui? Dans cette triangle de temps, le cosinus d'un angle est égal au côté opposé. Bien sûr. Okay, vas-y. Joe, ça m'a comment? C'est moi. Tape. Tout ça, c'est moi qui gagne. Imbécile, tu es malade. Pas même toi là. Tata, donne-moi mon argent. Tata, je joue avec toi, tu vas être chez toi. Tata, donne-moi mon argent. Malade. Prends tes cartes. Allez chez toi. Con. Autant de bêtises. Tata, oui. Ça va? Ouais. Mon Dieu. Chaleur, ça va? Yaya est où? Elle est sortie depuis hier. Ah bon? Oui. Et Braddock? Ah lui aussi, il est sorti là, hier avec ses amis. Oh! Quel est maudit. Appelle-moi Chanis là-bas si elle est là. Elle dit ça fait trois jours. Oh! Zambé Angwe. Mais Dieu, toi aussi, comment tu vas l'envoyer dans une famille maudite comme ça là? Hein, Seigneur? Hein? Et toi? Et ça, c'est qui? C'est mon ami. Ton ami? Lui, c'est l'enfant de qui? Je sais pas, il s'appelle la goutte. La goutte, hein? Ah! Et vous êtes en train de jouer quoi? On joue la carte. Jouer la carte. Pour apprendre aussi à être braqueur comme ton grand frère Braddock. Oh! Et ça, c'est quoi? Est-ce qu'elle a bien moi? Est-ce qu'elle a besoin de mettre la casquette? T'as quoi que tu as la tête là? Les escargots, bien le coquillage. T'as de même toi! C'est pas possible! Non, il te roi, il y a un mignon, il y a un gomme, 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 il y a